prophétique universelle. Ne vous attendez pas, mon cher pasteur, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne vous attendez pas aux discours que j'ai entendus jusqu'ici qui sont orientés par la foi. Non pas parce que je n'ai pas de conviction, mais nous avons été chargés par le Conseil de l'Europe il y a déjà une douzaine d'années d'initier, si vous voulez, à l'échelon européen, puis à l'échelon méditerranéen et international, un certain nombre de formations en éthique et en bioéthique. Et nous avons évidemment tenu compte dans ces formations des différentes croyances qui, évidemment, présentaient dans ces formations. Ces formations, si vous voulez, en éthique, pourquoi une éthique et pourquoi pas la persistance d'une morale, on vous l'a un peu expliqué. Nos collègues disaient la morale commande, l'éthique recommande, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que quand il y a eu évidemment une diminution de la morale pour juger peut-être les débordements scientistes de cette évolution extrêmement rapide. Pendant ces 50 dernières années, nous avons eu des avancées médicales et biotechnologiques qui dépassent celles qui ont lieu depuis le début des temps. Et parmi ces avancées, évidemment, en raison des compétitions scientifiques importantes, et en raison aussi de l'acheminement, évidemment, de toutes ces avancées dites thérapeutiques, eh bien, il y a eu des débordements que nous appelons les débordements scientistes et qui ont obligé, évidemment, à des mesures de prudence. Mais est-ce qu'Aristote, dans son éthique à Nicomaque, n'avait pas déjà attiré l'attention sur les qualités de la phronesis, c'est-à-dire de la prudence et de la sagesse, qui devaient déterminer l'avancée des mœurs. Et depuis, évidemment, les avancées récentes, surtout depuis 1965, où l'assistance médicale à la procréation, dont notre collègue slovaque vous a parlé ce matin, tout à l'heure, pardon, vous a indiqué l'importance et les dangers aussi, eh bien, il s'est avéré que la maîtrise de la vie a instauré une prudence sur les débordements. On pouvait utiliser beaucoup d'embryons, on peut considérer l'embryon comme un instrument, n'est-ce pas, et non pas comme une entité vivante. Donc, il fallait des précautions, il fallait des mesures qui à respecter, qui respectaient naturellement la qualité humaine. Cette qualité humaine qui est reconnue par la religion, mais qui est reconnue aussi par la science, puisque Darwin estime que l'homme est au milieu, au-dessus de toute l'évolution. Il commande aux animaux et aux plantes. Et naturellement, sont nés ces comités de prudence, où la phronesis d'Aristote a été suppléée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, par les articulations philosophiques de Kant au XVIIIe siècle, qui a instauré, lui, la notion fondamentale de dignité humaine, de rationalité, et aussi de considérer l'être humain
comme une fin en soi et non pas comme un instrument. Eh bien, à partir de ces éléments-là, toute une philosophie s'est développée. J'avais élaboré un texte important, mais le pasteur Rivaud m'a dit qu'il allait faire des publications, donc on ne vous l'a pas distribué. Je vais donc m'efforcer de donner, dans les 35 minutes qui me sont imparties, les éléments essentiels de cette marche vers cette éthique universelle que nous avons instaurée. D'abord, bon, naissance donc de l'éthique, différence de conception entre nos collègues anglo-saxons et nos collègues européens. Pour les anglo-saxons, remarquons que l'éthique anglo-saxonne, notamment américaine, a été instaurée par des théologiens, notamment des pasteurs, et que le rapport Belmont, qui définit les attributs de l'éthique anglo-saxonne, c'est-à-dire la bienfaisance, l'autonomie, l'équité et plus tard la solidarité, sont évidemment des éléments fondamentaux que nous retrouvons, mais pour les Européens, et je crois que c'est pour cette raison que le pasteur Rivaud m'a demandé de vous parler, nous avons une connivence sur le respect des attributs de la dignité humaine, n'est-ce pas ? Puisque vous, dans vos conceptions, n'est-ce pas, de dignité humaine, vous défendez ces différents attributs, et nous avons bâti en Europe et à l'échelon international, et j'ai instauré ces formations qu'on m'a demandé d'élaborer sur le respect des attributs de la dignité humaine. Quels sont ces attributs ? Il faut les définir, n'est-ce pas ? La dignité humaine entre dans beaucoup de conception, dans la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, après Nuremberg. C'est Nuremberg, évidemment, le jugement de Nuremberg, qui est évidemment à l'origine de ce développement de l'éthique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on s'est aperçu, n'est-ce pas, que des médecins nazis, ou plutôt dans un pays qui avait promulgué pourtant dès 1930-31 le consentement libre et éclairé pour les essais thérapeutiques sur les êtres humains, on s'est aperçu que les médecins avaient tous obéi uniformément aux ordres du Führer, c'est-à-dire qu'ils avaient obéi et avait fait sans consentement libre et éclairé des expériences évidemment létales sur les prisonniers, puisque le programme T4, après les autistes et les handicapés mentaux, depuis 1934, s'est développé à partir de 1939 sur les tziganes, les résistants et les juifs. Donc, c'est à partir de Nuremberg, de ce grand, évidemment, de sa résonance à l'échelon international, que sont nées les différentes organisations, l'Association médicale mondiale, qui a établi, évidemment, une rectification du serment d'Hippocrate, qui a établi un code universel d'éthique, l'Organisation mondiale de la santé, qui a déterminé que la santé n'était pas seulement une absence de maladie, mais c'était évidemment une commodité qu'on donnait aux patients du point de vue mental et social, qui a invité les acteurs de la santé à s'occuper évidemment de tous les aspects de l'intérêt de leurs patients. Donc,
à partir de ce moment-là, se sont développées très rapidement, n'est-ce pas, les notions fondamentales, c'est-à-dire la conception du respect des attributs de la dignité humaine et aussi du consentement libre et éclairé pour toutes les actions. Eh bien, quels sont ces attributs? Il faut les donner car il existe encore quelques divergences sur ces attributs entre les différentes croyances. N'est-ce pas ? Pour nous, évidemment, après évidemment Kant, et aussi dans la conception interdisciplinaire qui a été celle des juristes, des sociologues et des médecins, nous sommes convenus que ces attributs dépassent largement les conceptions du rapport Belmont dont je vous ai donné, c'est-à-dire une rationalité, évidemment issue de l'évolution, puisque quand un bébé naît, il a un cerveau qui n'est pas plus lourd que celui d'un singe vert, 350 grammes, mais par une variation exponentielle jusqu'à la 16e année, il va atteindre 1475 grammes avec des milliards de neurones, donc il va évoluer, et il va évoluer dans le sens que nous a donné l'évolution, c'est-à-dire l'homo sapiens sapiens. Hein. Donc, tous ces attributs nous incitent à instaurer, si vous voulez, les attributs dans la conception de la rationalité et du langage, avec les zones de Broca et de Wernicke pour les droitiers à gauche du cerveau, et de la responsabilité personnelle, très importante, n'est-ce pas, qui n'existe pas chez les animaux, par exemple, de l'équité, la justice, évidemment, qui nous invite à considérer tous nos semblables d'une façon non discriminatoire, n'est-ce pas, on vous en a déjà parlé, évidemment, et également une compassion pour l'autre, c'est-à-dire une sorte d'attitude pour l'autre qui correspond à une attitude que l'on voudrait que l'autre ait par rapport à soi. Donc, ces attributs sont importants et sont une sorte de clé d'ouverture à l'humain. N'est-ce pas ? Les scientifiques ont cherché pendant plusieurs années des éléments fondamentaux pour la conception d'une éthique. Naturellement, la science est universelle. Elle a fait de grands progrès. Il y a eu, évidemment, des publications nombreuses et des conceptions de jugement universelles. Donc, la science est elle-même universelle, n'est-ce pas ? Mais elle ne peut pas concevoir, évidemment, elle ne peut pas nous donner des indications concrètes sur les fondements d'une éthique, car elle fait fi, évidemment, des jugements personnels et des convictions, n'est-ce pas, disant qu'elle est autonome, qu'elle est indépendante de toutes les conceptions personnelles. Donc, face à ces débordements scientifiques, les comités d'éthique se sont constitués, n'est-ce pas, pour sauvegarder, évidemment, ces attributs fondamentaux de la dignité humaine. Cette dignité humaine, ces attributs ne sont pas toujours, évidemment, acceptés par tous. Nos collègues agnostiques,
que nous faisons intervenir dans nos formations, comme toutes les croyances, disent bien la dignité d'un individu, c'est la conception qu'il a de lui-même ou de son entourage. S'il estime qu'il est devenu un légume à la fin de ses jours parce qu'il souffre trop, eh bien, notre devoir, évidemment, c'est de l'aider à mourir. Et comme il n'y a pas d'au-delà, eh bien, on va évidemment supprimer la vie. Et on vous a parlé cet après-midi des lois, des testaments de vie qui sont entrés en vigueur après les États-Unis. Ce sont les trois États aux États-Unis qui ont donné l'exemple, soit en Hollande et également en Belgique, où le testament de vie. Mais rappelons que le gouvernement socialiste en France, depuis quelques années, et une loi vient d'être reconduite par le Parti socialiste en France pour reconnaître le testament de vie. Donc, nous avons ces attributs. Et vous me direz, mais pour la bioéthique ? Eh bien, bon, la bioéthique est un vocable qui a été initié par von Verseter en 1970 aux États-Unis. La bioéthique est plus interdisciplinaire et plus étendue que l'éthique biomédicale, n'est-ce pas ? Puisque tous les facteurs qui peuvent affecter la vie de l'individu sont en jeu, n'est-ce pas ? Les pollutions, la nourriture, nous parlerons demain dans évidemment l'atelier numéro 2 de la critique que je fais des OGM et autres. Tout ça, ce sont des notions de bioéthique. Et alors, dans nos formations, qui sont différentes des discours que vous avez entendus, nous avons fait intervenir, évidemment, tous les spécialistes qui peuvent influer sur la vie de l'individu. Les théologiens, les philosophes, les médecins, les scientifiques, les juristes. Vous avez devant vous une juriste d'Athènes qui nous aide beaucoup, docteur Thomas Dioraki, qui a joué un rôle auprès de notre collègue Petiti, qui était le délégué français à la Cour de justice de Strasbourg. Et nous avons appelé nos formations formation éthique de la santé, droit de l'homme et morale. Et pourquoi cette dénomination ? Eh bien, pour qu'une éthique soit universelle, nous dirons pourquoi nous avons rencontré quelques difficultés dans quelques instants, il faut naturellement qu'elle soit acceptée par toutes les croyances. Hein ? Il y a une croyance de Dieu, etc., mais même dans le monodéisme, n'est-ce pas, le Dieu des Juifs et surtout le Dieu des musulmans est un peu différent, n'est-ce pas ? Donc, j'ai fait adopter par le réseau que j'anime, n'est-ce pas, qui est interdisciplinaire et dans lequel j'ai essayé de faire appel aux plus hautes autorités européennes dans ces différents domaines, n'est-ce pas, de théologie, de philosophie, de sociologie, d'éthique. Eh bien, j'ai essayé, n'est-ce pas, de donner, évidemment, des indications sur ce que j'ai appelé les morales religieuses, morale catholique, morale orthodoxe, morale juive, morale musulmane. Il y a plusieurs morales musulmanes. Enfin,
morale musulmane. Le raison m'a dit, bien, ça suffit. J'ai dit non. Si nous voulons une éthique universelle, il faut aller vers l'Orient, n'est-ce pas ? Et c'est difficile. Ils n'ont pas souvent les mêmes conceptions que nous, n'est-ce pas ? Puisque nous, nous dirigeons non pas sur les effets qui seraient parallèles, n'est-ce pas, ici et là, c'est-à-dire pour les conceptions que nous avons sur l'expérimentation sur l'homme ou sur l'expérimentation sur, et évidemment, les médicaments, mais sur les fondements. Les fondements, c'est le respect, nous partons du respect des attributs de la dignité humaine, que nous considérons comme la clé, ai-je dit, de l'être humain. Si nous ne les respectons pas, si nous faisons un clonage reproductif humain, eh bien, ça change. Pourquoi ? Eh bien, parce que le clone sera sous la dépendance de celui qui l'a cloné. Donc, il ne sera plus spécifique, il ne sera plus indépendant. Donc, il y a toute une série, évidemment, d'éléments qu'il faut respecter. Et j'ai proposé au réseau, qui a finalement accepté, que nous introduisions une croyance qui est importante dans le Moyen-Orient et l'Orient, c'est-à-dire le bouddhisme, avec ses différents aspects, n'est-ce pas, ce n'est pas une religion à proprement parler, puisqu'il n'y a pas de créateur, n'est-ce pas, mais enfin, il y a toute une série d'instructions, n'est-ce pas, pour l'individu, n'est-ce pas, et le transfert après sa mort, enfin, dans différentes plantes ou différents animaux. Et là, j'ai été très critiqué aussi, après tout. Ce que nous appelons en France la loi Weil, et Madame Weil est respectée, n'est-ce pas, pour les gens qui défendent évidemment les prérogatives féminines, en disant, bien, il a instauré évidemment la permission de l'avortement. En fait, n'est-ce pas, et ce n'est plus un secret, puisque notre collègue Burg, qui était le bras droit, le professeur Burg, qui était le bras droit de Madame Weil, est décédé. Madame Weil a été instaurée ministre de la Santé par M. Chirac, sous la condition, comme c'était une juriste et qui ne connaissait pas les domaines de la santé, à condition qu'elle accepte le rapport du Grand Orient, c'est-à-dire de Caillavet et de Simon. Donc la loi de l'avortement, c'est la loi du Grand Orient. Et chacun sait, bien sûr, que le Grand Orient en France a le désir, évidemment, de transformer les morales religieuses en morale, en principe, de morale agnostique. Eh bien, vous me direz, mais pourquoi faire intervenir toutes ces morales religieuses dans vos formations ? Eh bien, bon, on a entendu notre collègue slovaque ce matin nous parler de l'assistance médicale à la procréation, du début de la vie. Malheureusement, les religions ne s'accordent pas sur le début de la vie. Si les catholiques, vous, les évangélistes, et quelques protestants estiment que sans séparation du corps et de l'esprit, le Seigneur a donné la dignité à l'enfant dès la procréation, ou peu après, eh bien, certains protestants, n'est-ce pas, du rite, évidemment, luthérien, par exemple, estiment que l'humanisation est progressive. Bon, on peut expérimenter sur l'embryon, on peut faire quelques avortements, n'est-ce pas, l'humanisation est progressive. On ne devient humain qu'après un certain temps.
Un peu comme les agnostiques qui nous disent « mais l'être ne devient humain que quand son cerveau est constitué, n'est-ce pas ?» Que disent les juifs ? Ben, les juifs disent « Yahvé donne la dignité à l'homme après 40 jours ». On leur demande pourquoi. Bon, ils disent « Ah, c'est dans la Torah, etc. » les musulmans, certains sunnites s'associent à dire « Oui, c'est dès la fécondation. » Mais certains chiites, mais la plupart des chiites et les sunnites disent « Non. Le souffle, le roux, souffle d'Allah, la dignité, il souffle sur l'être humain, n'existe que dans 120 jours. Donc, avant 120 jours, on peut utiliser un peu l'embryon. Alors, bon, les bouddhistes disent, ah oui, il faut que ça reste intact, parce que pendant les 3 jours où l'esprit va transiter du corps vers quelque chose, il faut qu'il soit intact. Non, alors ça va. Bien. Et les agnostiques disent, ah non, non, écoutez, il faut que le cerveau soit fait. Donc, nous avons le devoir, dans une éthique et une bioéthique objective, je dis objective, ça veut dire indépendante, évidemment, de toutes les croyances, de dire que il n'y a pas d'accord sur les débuts de la vie, donc il est difficile dans nos délibérations au Conseil, au Parlement, dans vos délibérations, d'avoir des idées univoques, n'est-ce pas, et universelles sur le début de la vie. Sur la fin de la vie, c'est beaucoup plus facile. On respecte toutes les religions, respecte évidemment la fin de la vie, sauf chez les agnostiques, et de temps en temps, n'est-ce pas, de temps en temps, quelques lignées protestantes. Bon, vous avez 120 lignées chez les protestants, n'est-ce pas ? C'est un peu gênant, on ne peut pas tous les convoquer, n'est-ce pas, dans les exposés, n'est-ce pas ? Eh bien, qui dit que dans des cas exceptionnels, n'est-ce pas, je ne vais pas citer de nom, notre collègue n'est pas là, mais dans des cas exceptionnels, eh bien, on peut dire aux juristes que, sans aider à mourir avec du chlorure de potassium directement, on a quand même laissé la personne bien mourir. Alors vous me direz, quelles sont les normes que vous instaurez pour soutenir, évidemment, la conception d'une éthique, ou plutôt, je prends quelques précautions vis-à-vis de mes collègues, comme dans nos formations, et notamment libanaises et algériennes, qu'on m'a demandé d'élaborer, je fais étudier différentes éthiques, éthique biomédicale, éthique des affaires, et éthique jurisprudentielle. Il est étonnant en France, n'est-ce pas ? Et ça, j'ai été écouté par le garde des Sceaux il y a 2 ans, n'est-ce pas ? Les juges français, jusqu'ici, évidemment, repoussait tout code de déontologie et tout comité d'éthique. Eh bien, maintenant, il va y avoir un serment en France qu'on va faire prendre par les juges de respecter la dignité des condamnés, etc. Ce texte n'est pas encore élaboré, mais est en cours. Donc, il y a une méta-éthique, évidemment, de conception, de respect des attributs de la dignité humaine, mais il y a, dans les applications,
plusieurs éthiques d'application, n'est-ce pas ? Puisque à partir de cette conception initiale à respecter, dans les applications, il faut tenir compte, évidemment, de différents facteurs. Et ceci est encore plus vrai dans les pays en développement ou autres, où, tout en respectant, évidemment, les fondements essentiels de la dignité humaine, il faut que nous tenions compte, évidemment, différentes cultures, n'est-ce pas, et de leur conception et de leur réalisation. Alors, nous pensons qu'il n'existe qu'une seule bioéthique, n'est-ce pas, c'est-à-dire une éthique de la vie, n'est-ce pas, une seule. N'est-ce pas, on ne peut pas avoir plusieurs, nous pensons qu'on ne peut pas avoir plusieurs conceptions différentes de la bioéthique. Donc, plusieurs éthiques en raison des applications, éthique biomédicale, éthique des affaires, éthique jurisprudentielle, etc., mais une seule bioéthique. Alors, quelle est finalement la conception fondamentale sur laquelle nous appuyons? J'ai critiqué un peu tout à l'heure les valeurs anglo-saxonnes du rapport Belmont. Nous critiquons encore plus les valeurs de nos collègues britanniques dans nos réunions, car évidemment, leur éthique dépend beaucoup, évidemment, des théories utilitaristes de Spencer et de Stuart Mill. Et quand on détermine les urgences, par exemple, pour les opérations ou les transplantations, eh bien, on fait passer, évidemment, les chefs de famille, les personnes d'un âge moyen avant les autres. Et pratiquement, aucune hémodialyse ou aucune transplantation ne peut avoir lieu après 70 ans en Grande-Bretagne ou au Canada, n'est-ce pas, où j'opère, je dirige aussi une formation. Dans les influences anglo-saxonne et américaine. Tout à l'heure, on nous parlait évidemment d'un scandale de vente d'un enfant, n'est-ce pas, et des ovules. Eh bien, je dirai dans l'atelier demain pourquoi je suis contre, évidemment, le clonage thérapeutique, mais sachez que depuis 4 ou 5 ans, dans 3 États des États-Unis, on peut acheter par Internet du sperme, du sang, des ovules et des embryons. Hein, les États-Unis montrent l'exemple. Donc, il faut faire très attention, même si M. Bush est entouré, évidemment, d'une garde importante et prend des précautions. Vous savez bien qu'aux États-Unis, tous les biotechnologies privées ne dépendent d'aucune éthique et d'aucune jurisprudence fédérale. Donc, ils ont tous les droits. La maison Gérone, en Californie, peut vendre sur catalogue du sperme, du sang, des ovules et des embryons. Alors, sur quel principe nous pouvons développer, nous, avec toutes ces conceptions différentes, avec ces croyances différentes, avec ces conceptions culturelles différentes, comment pouvons-nous développer les éléments fondamentaux d'une éthique, d'une bioéthique universelle? Eh bien, cette conception, je vous ai parlé de Nuremberg, qui a produit évidemment un grand sursaut, mais il faut que la France ait des sursauts. Est-ce que on vous a appris que la Grande Guerre de 14-18 était une grande boucherie, qui a eu
12 millions de morts. Mais on ne vous a pas dit que la grippe espagnole qui a sévi en Europe entre 17 et 20 a fait 22 millions de morts, c'est-à-dire le double de la Grande Guerre. Et que avant 14-18, la France n'avait aucun ministère de la santé publique. Il a fallu attendre ce grave incident pour que la France se dote d'un ministère. Alors, il y a au Conseil de l'Europe, vecteur depuis Nuremberg de la préservation des droits de l'homme en Europe, il y a eu une conception différente. Au lieu d'adopter des conseils généraux, n'est-ce pas, disant, eh bien, finalement, nous avons le sentiment qu'il faudrait naturellement de respecter la dignité, etc. Ce qui est contenu dans la déclaration universelle très importante du 10 décembre 1948, qui est contenue dans la déclaration de Turin ou dans d'autres déclarations internationales, le Conseil de l'Europe a pensé que, puisque la conception la protection et des droits de l'homme était une conception acceptée universellement par 189 pays, n'est-ce pas, puisque l'UNESCO les groupe ainsi, n'est-ce pas, eh bien, on pouvait se baser sur la conception des droits de l'homme en la complétant. Pourquoi ? Eh bien, bon, la juridiction est évidemment une enveloppe importante pour la paix sociale. Il faut une juridiction pour régir les comportements des individus et des sociétés. Au point de vue individuel, elle est moins performante puisqu'elle s'occupe très rarement de l'individu, sauf dans des cas évidemment exceptionnels, et la Cour de justice est là, justement. Eh bien, le Conseil de l'Europe a pensé que si on arrivait à compléter la conception des droits de l'homme, pas de la protection des droits de l'homme, et de celle de la dignité humaine, n'est-ce pas, qui est à la base, évidemment, de consentement libre et éclairé, du développement de la méta-éthique et de la bioéthique, eh bien, on pourrait arriver, si vous voulez, à collecter, évidemment, les pays qui déjà ont accepté la protection des droits de l'homme et qui pourraient accepter son complément. Alors, dans cet état de fait, une commission a œuvré pendant plusieurs années, n'est-ce pas ? Plusieurs, évidemment, spécialistes ont été convoqués, dont ont œuvré dans ce sens-là. Et il y a eu, le Conseil de l'Europe a dit, nous n'allons pas donner des conseils généraux qui sont suivis ou non, comme les conseils de morale internationaux qu'on peut donner à l'échelon international, mais nous allons élaborer une convention. Une convention, c'est-à-dire un élément juridiquement astreignant, à condition évidemment qu'il soit accepté par les différents pays, ce qui assurera une certaine pérennité. Donc, il y a eu, pendant plusieurs années, des concertations pas faciles. Je vous ai parlé des différences que nous avions avec les conceptions britanniques, ou beaucoup plus libérales que les nôtres, sur
sur les embryons, l'utilisation des embryons, même, disons, la fabrication des embryons. Certains pays voulaient revenir aussi aux mères porteuses, etc. Bien. Alors, il y a eu quand même un accord général sur les éléments essentiels composant la dignité humaine, n'est-ce pas, et notamment sur les règles du consentement libre et éclairé pour les personnes et pour les vulnérables, pour les enfants, etc. Et cette convention, qui s'est appelée au début convention de bioéthique, mais qui en fait avait comme nom convention de protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain face aux avancées médicales et biotechnologiques, est connue maintenant sous le nom de convention des droits de l'homme et de la bio et de la biomédecine. Elle a été proposée et signée par les ministres européens à Oviedo en 1997 et est devenue, après 5 ratifications, elle est devenue astreignante pour les parlements ou les gouvernements qui l'adoptent à partir du 1er décembre 1999. Donc, sans aller dans le détail que vous trouverez dans mon texte, puisque M. le pasteur Rivaud va faire les publications, vous verrez que dans cette conception que nous avons évidemment de l'extension d'une bioéthique universelle, le support et le complément avec les droits de l'homme seraient favorables, n'est-ce pas, et pourraient inciter à l'acception aussi des éléments de la dignité. Jusque-là, les pourparlers que nous avons sont favorables, sauf en Chine et au Japon, où les conceptions de la dignité, évidemment, sont beaucoup plus globales. Soit en Chine, c'est le respect surtout de l'État, bon, ça c'est pour le régime, et au Japon, plus un respect de la communauté. Bon, nous avons aussi chez nous ce que nous appelons une micro-éthique avec le patient et une macro-éthique, n'est-ce pas ? Nous avons même une éthique, chez le pasteur Rivaud, je crois, vous donnera la liste des ouvrages qui peuvent vous intéresser. Par exemple, l'ouvrage que nous distribuons à nos participants dans les formations, dans lequel je fais intervenir les différents spécialistes et dans lequel nous avons évoqué un peu plus d'une centaine, 120 questions extrêmement importantes, où je fais répondre les juristes, les éthiciens, les différentes religions et les agnostiques. L'ouvrage s'appelle « La santé face aux droits de l'homme à l'éthique et au moral ». Il est exposé. On m'a demandé aussi, il y a quelques années, d'instaurer quelques éléments beaucoup plus difficiles d'une éthique face à la médecine des catastrophes. Puisque face à la médecine des catastrophes, on ne peut pas demander le consentement libre et éclairé. Il faut évidemment aller vers le plus urgent, c'est-à-dire sauver le plus grand nombre de vies possibles en laissant malheureusement mourir ceux qui sont condamnés et qu'on ne peut sauver. Voilà, c'est une éthique évidemment un peu particulière, une macro-éthique, mais sur laquelle évidemment nous devons œuvrer. Il me reste encore, je crois, un peu de temps. Alors, dans cette conception d'unification par le Conseil de l'Europe, il y a eu d'autres tentatives. Je dois les citer. L'UNESCO, bon,
nous a convoqués comme d'autres, et a, il y a 2 ans, a commencé également une déclaration d'éléments qui seraient utilisés, n'est-ce pas, pour une bioéthique universelle. J'ai quelques difficultés avec cette conception-là, car nos collègues, il y a une commission qui a été constituée avec un représentant de chaque pays intéressé de l'UNESCO. L'UNESCO est parti sur l'idée qu'un certain nombre d'éléments d'expérimentation, par exemple, expérimentation sur l'homme, assistance médicale à la procréation, clonage reproductif humain ou clonage thérapeutique, n'est-ce pas, de voir s'ils étaient acceptés, évidemment, par les différents pays. S'ils étaient acceptés, cela donnerait des fondements. J'ai fait remarquer que l'Organisation mondiale de la santé a fait une investigation de quelques années sur 3250 expérimentations de médicaments qui ont été effectuées à l'échelon international et qui, pour la plupart, ont été effectuées dans des pays dits en développement, avec les groupes placebo, qui ne reçoivent pas, évidemment, les médicaments et d'autres, avec des comparaisons. Il n'y a eu que 13 essais sur les maladies tropicales qui intéressent les pays en développement. Donc il est certain, que la plupart de ces expérimentations se sont servies des pays en développement, pour leur propre intérêt et non pas pour les intérêts. Donc, il serait, à mon avis, difficile, évidemment, de solliciter, évidemment, l'avis des différents pays où l'on fait des expérimentations, car, pour des raisons d'intérêt, évidemment, ils pourraient répondre d'une façon ou d'une autre. Les sujets également à grande controverse, nous en avons parlé, et notre collègue l'a évoqué, c'est le fameux sujet de la production des cellules souches, hein, ces fameuses cellules souches, hein, qui sont issues de l'embryon à l'échelon du blastocyte, c'est-à-dire au bout de quelques jours, n'est-ce pas, une centaine de cellules qu'on extrait, et qui donneraient, évidemment, étant dupliquées, et évidemment, des cellules de formation. Pardon, j'ai passé mon temps à l'autre minute. Bon, alors, ces cellules souches sont prises à partir d'embryons, et ces embryons, évidemment, sont développés d'une façon contraire à la convention d'Oviedo dont je vous ai parlé, n'est-ce pas, puisque la convention nous dit aucun pays n'a le droit de fabriquer des embryons pour l'expérimentation. Bien. Deuxièmement, dans le clonage de ces cellules souches, n'est-ce pas, les cellules souches, on prend une cellule, on enlève le noyau et on prend le noyau de la personne agressée. Eh bien, en fait, on ne tient pas compte des mitochondries et il faut quelques dizaines, voire quelques centaines d'essais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous faudra quelques centaines d'ovocytes et on va susciter, évidemment, un marché d'ovocytes
qui existe déjà. Un certain nombre de médecins et d'infirmières de nos élèves en France vont dans l'organisation de Mère Teresa à Bombay, l'organisation des enfants aveugles. Vous savez pourquoi ils sont aveugles ? Parce que les intouchables, évidemment, dans l'Inde, à partir du sixième enfant, estiment que pour faire vivre la famille, on peut vendre, évidemment, un ou deux cristallins. Donc, cela fait des enfants aveugles que l'on donne, évidemment, aux organisations. Alors, dans ma conclusion, je donnais une conclusion très humaine. Je disais, je me lis pour une fois, ne léguons pas à nos enfants une loi hégémonique du marché au lieu et place du respect de leur dignité et de celle des autres, et d'une bioéthique universelle, solidaire et compatissante, susceptible d'initier un biodroit international de la santé, régulateur, universellement reconnu. Merci de votre attention. Je donne simplement la parole à Daniel Rivaud pour quelques mots.